m'appelle Stéphane. Jasmine, c'est une guitare a été fabriquée en 1994, donc elle n'est pas toute jeune, qui a été achetée par un ami, qui l'a donnée à un autre ami. Et puis un jour, j'avais besoin d'une guitare électro-acoustique. Et il me dit, bah, si tu veux, j'en ai une, là, ça fait des années que je l'ai dans un coin de mon studio. Si tu veux, tu la prends. Donc je l'ai eue, elle était bien sale. Je l'ai amenée ici à... entre les mains d'Adriane d'Eva Music pour la réparer un petit peu. Et depuis, ben, elle est avec moi, je l'emmène partout. Les anniversaires, les mariages, elle a joué pour mon mariage, les Noëls, dès qu'il y a une fête, je l'emmène avec moi. Elle a même une chanson, ça s'appelle le blues de Jasmine, dans mon album. Et du coup, elle a une grande valeur sentimentale pour moi. Et là, ben, je pars en voyage à Malte, confiant dans les services aériens. Et à l'atterrissage à Malte, ben, je la vois sur le tapis roulant des bagages. Bon, je vois la caisse ouverte, explosée. Mes partoches qui se baladent sur le tapis. Et il y a un gars qui me dit, monsieur, j'ai entendu un grand crack. Et là, horreur, j'ouvre. La tête explosée, les gorges tronc. Bon, et voilà. Donc de retour, vite, j'appelle Adrien. Je dis, est-ce que c'est réparable? J'envoie des photos de Malte. Est-ce que c'est réparable ou pas? Il me dit, ouais, normalement, c'est bon. Donc au retour de l'aéroport, je l'amène ici. Et voilà. Et maintenant, entre les mains d'Adrien. Et je crois qu'il est entre de bonnes mains.
Thank you.
Jasmine. Je ne suis pas un expert divine. Cool. Je me suis vu à cet instant et j'ai compris qu'il était Mais Jasmine, tu ne réagis pas. Jasmine, vibre pas sous mes doigts. Jasmine, je ne suis pas un expert divine. Mais là tu exagères.